Deux équipes en relais, Jean-Michel, l'équipe en relais, on est bien d'accord, c'est un nageur, un cycliste et un coureur à pied ou une fille qui court à pied parce que c'est pas forcément qu'un coureur, il y a des équipes mixtes. Oui, il y a des équipes mixtes, donc on a convenu que le relais est dans le parc à vélo, pas à côté du vélo, mais vélo accroché, donc le nageur est dans la main du cycliste. T'as des algues, putain, c'est vachement bon. J'ai pas chaud, hein. On essaie de prendre le vélo avant moi, quand même, Laurent. Non. Le temps est de la partie, c'est très beau, un peu frais. Devant Olivier Carsana, Alexis Rejra, DP3, donc vous voyez qu'on a tout bien les points. Voilà Christine, Louise, Lyonnais, je la connais bien également d'une part sur les épreuves de triathlon, et puis je la vois, je l'aperçois de temps en temps. On doit être en quatrième position, Lionel. Position provisoire, hein, mais il me semble que c'est ça. Hein. Voilà, les amis de Billon Triathlon. Et Laurent, ça y est, Laurent, il a récupéré son dossard. Bravo, Laurent. T'as fait double course. Là, non, mais vraiment, chapeau. J'ai Thierry Bruchet. 45 vient de passer à l'instant devant nous. Nous avons Maxime Chinier. Encore quelques concurrents dans le parc à vélo qui viennent de terminer avec l'épreuve de natation. Il y a encore quelques concurrents dans l'eau. Ah, ça bouge, hein. Ben c'est du sprint, ça y ressemble en tout cas. Et Robert, 48 parties pour Robert, les points hein. De vélo. Ben, allez Romain, belle remontée, hein. Bravo, allez gamin, allez. Faut être hyper vigilant. Je sais que c'est pas facile, hein, une fois qu'on termine une épreuve de 4 km, on est qui a bloqué. Merde, il est passé trop vite, toi. C'est possible. Allez Christine, du courage. Ah non, c'est le Robert. Ah Robert, allez. Ah oui. Et mon Robert. Ça, on verra. Non mais, je dis pas ni l'un ni l'autre. Moi, je dis on verra. Allez, mon Robert, allez. Hein. Oh là. Sur le plan d'eau et de revenir le long de la piscine. Eh bien, Régis du Plancher avec sur Jean-Louis Guillaume. Allez, c'est ce bien. Qui nous promet. Allez, attention. Une fin de course. Ils m'ont porté dans la bosse et dans 9e. Tout à l'heure présent sur le podium. Ah bon, 9e, on a, alors, nous avons Sylvain Bedou. Et ah, la bise. Hein, les deux avant moi ils m'ont doublé là. Il a fait une belle course. Par contre, j'ai l'impression que tu es arrivé en course à pied. C'est bien. Oui, je vais terminer. Belle course à pied, Robert. Moi, ce qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait belle course, hein, parce que Pedro, il a récupéré du monde sur le vélo. Alors, on m'annonce l'ouverture du parc pour les Avenir 1 et Avenir 2. T'as trouvé le casque ou pas? C'est bon? Alors c'est bon. Donc l'ouverture du parc à vélo pour les Avenir 1 et Avenir 2, c'est tout, hein. Avenir 1, Avenir 2, c'est-à-dire les poussins et les minimes, c'est ça? Ah oui, tu vas passer à la télé, bien entendu. Attends, je regarde. Sur le tripotin, Rouennais. Avenir 1, Avenir 2, c'est comme ça qu'ils le sachent. Et qu'ils le savent. Vers un triathlon. Voilà, ils viennent dans le couloir à gauche. Et on s'entraîne très peu à pied. Ouverture dans quelques instants. Ils sont accueillis. Et moi j'ai à dire, en s'entraînant pas beaucoup en natation, pas du tout en vélo et pas du tout en course à pied, et ben on fait un super tri. Saint-Rémy sur du rail. Du rail. Ah, c'est dur, hein. Bah, moi j'ai bien aimé. Tu vas rappeler un rendez-vous, on m'a donné tout à l'heure une petite plaquette concernant le 16 octobre, le Vétathlon de Nantes, qui se déroulera donc le 16 octobre sur les terres landaises. Je crois qu'on dit landaise, hein. Landais, landaise, c'est ça. Les gars de Nantes, là. Franck. Alors, on appelle les habitants, c'est les landais, les landaises, et ça n'a rien à voir avec les vaches. Non,
Hein? Il y en a aussi certainement. Je suis pris en photo à côté d'un top 10. Ah, top 10. Le top 10. Eh oui, eh oui. Qui est méchant de Londres. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Donc, on verra tous licenciement. Qu'est-ce qui va pas? En individuel, par équipe. Différentes épreuves qui sont proposées. Allez, allez. Les admirants, d'eau, vous attendons. À l'entrée du parc à vélo, venez installer votre matériel. On fera la vérification. Et à 16h30 précise, on donnera le départ, c'est-à-dire dans 23 minutes maintenant. Ah, il n'y a pas besoin d'interview, hein. Il s'exprime tout seul. Tiens, la troisième, elle est là, Anne. Elle est avec moi, elle est à mes côtés, donc alors, Robert, bah lui, Robert, regarde, il est mort de chaud, Robert, c'est la meilleure. La partie de elle est sympa. Par exemple, on a le soleil dans les yeux, donc c'est pas facile de voir la sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Le vélo aussi, il est assez... les montées, tout ça, ça va, c'est pas trop difficile, et les descentes, elles sont pas trop longues, donc c'est bien. Hein, Robert, il est à poil. Bravo, hein. Mais rhabille-toi un peu, parce que là, pour un président, ça fait... Ah, la belle triplette, tiens. La belle équipe. T'auras plus de batterie, toi, tant pis, hein. T'auras plus de batterie, ça fait rien. Bon. Il s'en fout. Il est dans le top 10 et moi, il se fait tout. Je voulais faire un top 30, je voulais faire un top 30 et il fait un top 10. Ah bah toi. Bon Robert, dis donc, t'as fait une belle course à pied, mais bon le reste, t'étais pas motivé, je te sentais pas motivé. Pourtant. Il passait à côté de moi, il m'a dit. Quatrième de merde. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que la fin de saison, il en a trop fait. Il commence à être mort. C'est un gros siège. 241. Ah, je tiens à préciser, j'avais plus mal à la gorge là, donc j'ai pu envoyer la sauce. Ah, t'as pu envoyer la sauce là. Voilà. Voilà. Ah ben c'est important, hein. Un mal de gorge, c'est une petite angine. Hein. Bon, mais on a eu mal à la gorge en même temps, tous les deux. C'est toi qui as dû me le filer. Je te donne ça, parce que je vais aller à la salle. Voilà, je relance l'appel pour les admirants à Nierdo, vous êtes attendus. Voilà, enfin, vous êtes content ou pas? Votre matériel uniquement pour les 1 et les 2. Bah, vous êtes pas mécontent. Plus tard. Le vélo est trop dur. Ah, le vélo est trop dur, mais parce que t'as pas d'entraînement. J'ai pas d'entraînement. Eh ben oui, voilà, le vélo est... Non, mais il est dur, hein. De toute façon, dans le coin, c'est normal. Hein. Oh. Alors, c'est dommage parce qu'il a un très bon vélo, c'est vrai, un peu comme... De toute façon, si le Romain il a été bon en vélo, c'est que c'était dur. Oui, ça me fait penser aux écharpes. Par contre, la course à tout, merde. Ah bon? Merde, ah, j'aime bien courir sur la route. Ah bah, il y a pas des bonnes descentes pour envoyer la main. Il y a une bonne descente pour envoyer la main. Oui. Quelle importance.